Salut Belgabo, comment vas-tu? Est-ce qu'on m'entend bien, Belgabo? J'utilise un micro que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Salut Sano. Oui, ouais, c'est bien. Genre si je tapote dessus, on entend que ça tapote dessus, genre là? Attends. Pour être sûr que le micro soit bien pris en compte. Salut la rouquine, comment vas-tu? Il pleut à Toulouse, ouais, j'ai senti 2-3 gouttes là, alors j'espère qu'il va pas pleuvoir. Si quelqu'un peut me confirmer que quand je tape là-dessus, on entend bien que ça tape sur le micro pour être sûr, encore une fois, que ce soit le bon micro. Salut Archibald, comment vas-tu? Oui, ça tapote. Ah, ok, parfait, super. C'est nickel. Je vais bientôt bouger la caméra, je laisse juste quelques instants. Je vais juste peut-être me mettre à portée de main la batterie. Alors, j'espère qu'on n'entend pas trop le vent non plus. Salut Inforea, comment vas-tu? Salut Chaka, salut Azerty. Comment allez-vous? Oh, le trajet nickel hein. Il n'y a pas grand monde sur la route. Attendez, je bois un coup. Bah ça va, écoute. Alors, la batterie externe, où est-elle? Ah oui, 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 nickel. Ah ouais, non, très bien. Je suis en train de me demander si j'ai pas oublié ma batterie dans la voiture. Je crois que j'ai oublié ma batterie dans la voiture. Alors attendez, je peux pas lire l'écran tout de suite. Oh le bordel. Attendez, je me lève. Voilà, ça y est, je peux vous lire. Salut Freddy. Salut à Chico. Bon alors, attendez.
Bon, tout le monde me regarde forcément parce que je suis habillé comme un con. Bonjour tout le monde. Bon, je suis obligé de repasser à la voiture, j'ai oublié la batterie dedans. Aux couleurs de la Bretagne, oui c'est ça. Salut Sylvain. Supervision d'extase. Et du coup, vous voyez le nouveau micro qui est directement là. Qui normalement devrait bien capter, la batterie devrait tenir assez longtemps, je pense. Bon, j'espère que ça capte bien. Le spectacle. Oui, yes. Yes, on Twitch. Twitching. Yes. Love that. I'm awesome. Yeah. Who are you on? Are you on Twitch? Yeah. What a live stream. Non, je veux forcément la montrer, la rockin', c'est juste qu'il faut que j'attrape la batterie dedans. C'est pas le but. En fait, j'avais pris la batterie externe. J'avais pris la batterie externe à midi et je l'ai laissée dans ma veste. Comme un con. Ça va, je suis garé juste à côté. Alors, je suis sur l'entrée. Je sais plus, je crois que c'est l'entrée sud, il me semble, là où il y a le buste de la dame de Carcasse, là, avec cette fameuse légende comme quoi elle aurait donné son nom à la ville, ce qui est totalement faux d'ailleurs. Dites-vous que j'ai potassé l'histoire de la ville exprès pour vous raconter des anecdotes. Alors. Ok. Normalement. Oh putain, la batterie devrait. Eh ben oui. Bingo. J'ai ma batterie. Ça va, ça capte bien, vous m'entendez toujours bien ? C'est Perceval qui est venu dans le sud et qui a donné le nom à la ville. Oui, ok. Alors attendez, change la batterie dans la poche. Je sais pas comment il présente la plaque de la dame de Carcasse, mais vous verrez que c'est pas du tout ça. Voix cristalline nous parvient clairement, parfait. Je suis curieux d'écouter la rediff pour voir... comment on rend le micro en vrai? Bon, normalement c'est les mêmes que pendant le vlog à Arcachon, parce que c'est ce... J'ai acheté le même modèle que Papy Geek. C'est propre. Bah ça avait l'air, hein. Pour un micro à... Pour un micro à quoi? À 60 balles. Et en plus j'en ai deux. C'est impressionnant. Salut Valine. Pour un petit truc... c'est quoi? Je crois que ça vient de Taïwan ou Hong Kong. Pour un modèle de micro taïwanais à pas cher, franchement... j'ai peur de marcher sur ma cape. On voit presque pas le fond vert, voilà, c'est ça exactement. Attendez, je remonte Carcassonne quand même, on est venu pour ça. Voilà, donc normalement, si je dis pas de conneries, c'est l'entrée sud. Le petit train. Ça donne envie de sauver des princesses, exactement. Et donc je vais vous lire la petite plaque. Après je me demande, c'est pas juste une mention du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ouais, si, je pense que c'est juste l'inscription du patrimoine mondial. Alors, ville inscrite sur la liste du patrimoine mondial au titre de la Convention internationale pour la protection du patrimoine culturel et naturel afin d'être protégée au bénéfice de toute l'humanité. Salut, c'est Little Fox. Donc, la fameuse dame de Carcasse qui... La légende raconte qu'elle a donné son nom à la ville, mais c'est totalement faux, puisqu'en fait, la ville a déjà ce nom-là depuis, si je dis pas de conneries, c'est quoi, c'est le 3e siècle avant Jésus-Christ. Bon,
J'espère que ça a bien capté vu l'épaisseur des murs. Salut Shotaku, comment vas-tu? Alors ça lag un peu, hein, mais ça je pense que ça vient surtout du téléphone. Hein. Le prochain objectif, ça sera de changer de téléphone. Alors ce qui fait la particularité de Carcassonne, c'est qu'il y a deux rangées de remparts. Une qui date de l'époque romaine, quand les Romains ont conquis la ville de Carcassonne et l'ont repris aux Gaulois. Et il y a une deuxième rangée, plus récente. Et une deuxième plus récente, qui elle, je crois qu'elle date du... Alors je sais plus très bien, mais je crois que c'est pour lutter contre les invasions barbares. Il me semble, donc il y aura beaucoup de vestiges. Bon là, pas de ce côté-là, mais je crois que c'est plus du côté nord et du côté nord-ouest. Il y aura des restes gallo-romains, enfin romains en l'occurrence, avec des tuiles oranges, hein, très représentatives, parce que du coup les Romains qui voulaient s'assurer le commerce sur la Méditerranée, bonjour, ils avaient érigé Narbonne comme capitale, et Narbonne n'est pas très loin. Oula, ça lag, hein. Oula là. Oh là là, ça lag. On voit l'évolution architecturale sur certains tours. Ah, attention, parce que en plus de ça, en 1850, il y a Viollet-le-Duc qui a entrepris des travaux de rénovation de manière parfois un petit peu... comment dire, un petit peu exagérée par rapport à ce que c'était vraiment à la base. Le téléphone est chaud? Non, je pense pas. Non, non, du tout. Du tout, du tout. Non, mais je pense que c'est simplement qu'il a du mal à supporter des vidéos 720p en 5G. Et il n'y avait pas la 5G à l'époque, ouais, exactement. Alors c'est marrant, mais ce genre de rue, ça me rappelle un autre vlog qu'on a fait. Ça me rappelle le vlog au Mont-Saint-Michel. Avec des boutiques, comment dirais-je. Oh bah tiens, je reconnais. Et salut DJ. Je reconnais les magnifiques casques. Alors je l'avais emmené, mais le problème c'est qu'ils sont trop petits pour moi et ils se cassent la gueule en permanence. Salut Ghost. Faudra qu'on cause de ce qu'on peut te trouver pour que je puisse prévoir le budget. Là je crois que c'est un 1,53 que j'ai en Samsung, mais oui oui, il faut clairement que j'upgrade le téléphone. Tu vas acheter les souvenirs? Bah tout dépend, écoute, tout dépend de ce qu'on croit, parce que le problème c'est que je pense qu'il y a quand même beaucoup de... Attendez, je vais retourner la caméra, vous me voyez. Je pense qu'il y a beaucoup d'attrapes touristes. Regardez-moi cette tenue. Alors ça fait rire tout le monde. Donc j'ai ma cape, ma tenue de croisée. Incroyable. Et salut Susukem, comment vas-tu? Beaucoup d'attrapes touristes. Bah oui, mais je te dis, c'est vraiment comme au Mont-Saint-Michel, quoi. C'est pareil. T'as beaucoup de boutiques avec des chinoiseries dans tous les sens. C'est un peu dommage. Ça devrait être beaucoup plus réglementé, je trouve. Salut Solti, salut Omégatron, comment allez-vous? Oh, une jolie armure. C'est un collègue. Sacré Graal, exactement. Mais j'ai oublié les noix de coco. J'ai oublié une noix de coco pour faire le bruit du... Non, j'ai pas pris l'épée. Ah bah non, parce que là... Si c'est l'épée de Gandalf... Oula. Oula, ça sentait... Ça sentait les épices... comment dirais-je? C'est ton anniversaire? Ton anniversaire? Bah écoute, bon anniversaire, Susukem. Salut Memento, comment vas-tu? Et je vais très bien, Solti, merci. Je suis désolé, hein, pour le... Attendez, je vais baisser un peu cette cagoule. Bon, pour l'instant je me balade au pif, hein. Mais du coup voilà, l'histoire de Carcassonne est assez intéressante comme je disais, parce que ça commence bien avant le 1er siècle avant Jésus-Christ. À l'époque les Gaulois ont fait construire un village sur la colline très bien placé, parce que c'est pile entre deux chaînes de montagne, entre le massif central et les Pyrénées, donc c'est un lieu stratégique hyper important, et même c'est un chemin qui passait, qui reliait même l'océan Atlantique à la mer Méditerranée. Donc c'était vraiment, stratégiquement, c'était vraiment un endroit très très important. Et donc quand les Romains sont arrivés,
ils ont repris la ville et donc ils ont fortifié la ville. Et j'aimerais bien vous trouver un premier mur typique romain d'enceinte là. Avec des tours arrondies, je crois qu'il y a une trentaine de tours romaines. C'est bien, vous faites les paroles de la chanson pour... Ah oui, j'ai pas le stream deck là. C'est dommage que ça rame comme ça. Bon, en tout cas, si jamais il y a du bruit de vent ou quoi, vous me dites tout de suite. Faut aller à l'extérieur, c'est plus marquant. Oui, justement, je vais relier l'entrée, qui est plutôt côté est, là. Où on devrait mieux voir les murs d'enceinte de l'époque romaine. Franchement, le bruit, c'est nickel. Bah, le micro a l'air très quali, ouais. Franchement. Très très quali. On n'entend pas trop les gens autour. Bah, je pense qu'effectivement, tu vois, la directivité, je l'ai mis là, parce que je ne sais pas trop où le mettre. Oh là ! Oh là, Alexis Winchester ! Comment vous portez-vous ? Il fait bon, hein, faut pas trop chaud. C'est parfait, c'est la bonne température. T'as, par contre, j'ai l'impression de ressembler à un chevalier bossu. Parce que ce que vous voyez pas, c'est que j'ai ma cape. Sauf que sous ma cape, j'ai mon sac à dos. Du coup, j'ai l'impression d'avoir une énorme bosse. Tu peux nous faire la visite en plusieurs langues, histoire que tout le monde comprenne. Oui. Attendez, je vais demander à Striker de nous faire la traduction en anglais. Ma bosse monseigneur. Attendez, je vais inverser la caméra, que vous profitez quand même un peu plus. Lance-leur une pièce. Ah, j'ai pas de monnaie. J'ai jamais de monnaie sur moi. Meilleure vue, je pense. Bon, c'est que quand on fait du géoguesseur, ça se voit qu'on est dans le sud, hein. Alors, ce qui est très dommage, c'est que ici, à la place de cette église dont je n'ai pas le nom, se trouvait la Barbacane. Donc l'entrée fortifiée de la cité de Carcassonne, et elle a été détruite, alors je sais plus à quelle période, je me demande si c'est pas à l'époque où Viollet-le-Duc a entrepris les travaux de rénovation. On voit d'ailleurs juste ici l'ancienne entrée là, qui était reliée à la Barbacane. Ça a pas l'air d'avoir changé en 20 ans. Ah bah non, ça n'a pas changé. Ça, de toute façon, ça n'a quasiment pas changé depuis 1850, hein. Salut de Régibus, comment vas-tu? Et alors, je sais plus trop comment je suis orienté, je pense que là-bas on a les Pyrénées, par là-bas, et du coup le Massif Central, plutôt de ce côté-là. Ce qui veut dire que, si je suis pas trop mauvais en géographie, Castelnaudary devrait être par là-bas. Pas très loin d'ailleurs. Hein. Voilà, ça n'a pas changé à part la Clio blanche garée dans la rue. Exactement, salut The Winux. Les habitants de la ville basse ont pillé les pierres pour construire leur maison. Et puis alors la ville basse est devenue du coup la ville principale en fait au fur et à mesure des siècles. Il faut savoir que pendant très longtemps, Carcassonne avait vraiment un monopole même de textile. Ils vendaient beaucoup de draps, il y avait une manufacture de draps royal à Carcassonne. Alors je ne saurais pas vous la situer, je pense que c'est plutôt par là. Et au fur et à mesure des années, pareil, hein, ça s'est développé parce que le palais de justice, le sénéchal en fait a fait déplacer le palais de justice qui était dans la cité, dans la ville basse. Et après la cité a été complètement
complètement abandonnée, et puis jusqu'aux travaux de rénovation du 19e siècle par Viollet-le-Duc et ses équipes. Et alors, il faut savoir que c'est la plus grande cité médiévale fortifiée d'Europe. Il y en a d'autres qui sont très très grandes. Je pense notamment à, c'est Dubrovnik, en Croatie. Mais Dubrovnik doit être vraiment beaucoup plus petit. En tout cas, la partie fortifiée de la ville. Et merci FR pour le follow. Bienvenue à toi. Bonjour. Salut les ennemis. Il fait beau. Il fait relativement gris. Il fait relativement gris, mais écoute, ça va. Rendez-vous, on a fini de manger assez tôt, on est arrivé sur le parking assez tôt. Du coup, pour pas vous dire trop de conneries, j'ai regardé quelques vidéos sur l'histoire de la ville. Voilà, une des tours époque romaine. Donc il y en a une trentaine. Et celle-là, elle date, alors je veux pas vous dire de conneries, il me semble que c'est moins 3 avant Jésus-Christ. Puisque après les Romains se sont fait chasser par les Visigoths. Au déclin de l'Empire romain. Voilà, donc là on est typiquement sur une sur des fortifications romaines. Oui, c'est un mélange un peu anachronique. Hein. Voilà, donc là c'est la première ligne de fortification de la cité de Carcassonne. Alors là pareil, on a une vue de malade tout autour. Une incroyable vue. Et là, je fais tomber le téléphone et j'ai pas l'air con. Donc là, on a la pointe, la fin du massif central hein, qui se termine au nord de la ville. J'expliquais tout à l'heure justement que Carcassonne, géographiquement, en termes de... Oula, alors j'espère que vous entendez pas trop le vent. Je disais que géographiquement, Carcassonne était un lieu hyper stratégique, vraiment. Wow! Entre les montagnes des Pyrénées d'un côté, le massif central au nord, l'accès à la Méditerranée par l'est, l'accès à l'océan Atlantique par l'ouest. Salut Monsieur Mouche, j'espère que le vent est pas trop chiant. N'hésitez pas à me dire, hein. Que je sache comment se comporte le micro en cas de bourrasque. Avec ton micro, j'ai l'impression que tu es dans la carte au trésor. Alors je sais pas si c'est positif ou négatif. Ça va? Ok, bon ça va, parce que ça soufflait fort. Hein. Ça habituellement, ça vous aurait pété les oreilles sur le téléphone. C'est vachement mieux qu'à une époque. Oui, bah c'est ça. Le vent est moins chiant que ton manque de cardio. Je vois pas de quoi tu parles. Après, j'ai du barda sur le dos. Hein. J'ai du barda, j'ai quelques litres d'eau. Des batteries. Salut Lalu, comment vas-tu? Donc là, voilà, on a toute une série de tours. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, toute une série de fortifications romaines. Datant de... Alors, je sais plus à quelle époque précise ils les ont fait construire, mais entre moins 3 et moins 1 avant Jésus-Christ. Ça va très bien, ouais. Ouais, tout ça, c'est le mur romain. Alors, on reconnaît même les briques oranges. Salut Canary, comment vas-tu? Wow! Attendez, je tourne la tête pour éviter que le micro se prenne trop de vent. Romain, c'est son prénom? Ah oui? Fais attention, des gueux se baladent. La mort, les gueux.
Oula, oula, oula. Tu devrais leur demander de quitter ton château. Tiens, on va passer par là. Je pense qu'il y aura moins de vent. Bon, je pense que c'est la bonne période de l'année en vrai pour le faire, hein, parce que septembre, il doit y avoir beaucoup moins de monde. Eh ben putain, ils avaient des grandes jambes, hein. Je te le dis. Bonjour. Un boss d'Elden Ring, c'est ça. Rue du Moulin d'Avar. Non, non, c'est ce que j'explique depuis tout à l'heure. Tout a été restauré en 1850. Parce que la ville était tombée quand même en déliquescence. Et je crois que c'est Valine qui le disait. Beaucoup d'habitants de la ville basse ont démonté des bouts de la ville haute, de la cité, pour construire les maisons. Oh bah dis donc. Par contre, c'est aussi ce que j'expliquais tout à l'heure, ils ont pris de très 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 grosses libertés architecturales. À l'époque de Viollet-le-Duc, quand ils ont reconstruit la cité, ils ont fait des choses qui étaient forcément là à l'époque. Mais bon, dans l'ensemble, le travail est quand même assez remarquable. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui habitent dans la cité. C'est beaucoup de commerce. Beaucoup de commerce, beaucoup de restaurants. Salut Freeman, comment vas-tu? En tout cas, dans la ville de Carcassonne, en tout, il y a 45 000 habitants. Mais je pense pas que ça comprenne la cité. Bah tu. Alors, t'es pas si loin de la vérité, The Winux, hein, parce que c'est ce que je disais au début, hein, c'est. C'est comme le Mont-Saint-Michel, c'est pourri d'être un touriste en fait dans la vieille ville. Ils font fonctionner le tourisme, hein. Voilà, il se passe des choses là-bas. Okay. Je sais pas ce qui se passe à droite, mais il se passe des choses. Hein. Bonjour, maman. Bonjour. La maison hantée. Voilà, là, par exemple, comment dire, je pense qu'on est sur des exploitations touristiques, quoi. Tu as un costume tout à fait. Bonjour, Papy Geek. Attends, je vais retourner la caméra, tu vas me voir. Regarde. Ah, je n'ai pas menti. Bonjour. Le chevalier bossu avec le sac à dos sous la cape. Le sénéchal. Oh, c'est joli l'intérieur. Donc les bruits qu'on entendait, la musique qu'on a entendue juste avant, je sais pas si vous l'avez entendu avec le micro, mais c'est la maison hantée de Carcassonne. Bien sûr. Elle est où l'épée? Ah bah je vais pas emmener d'épée.
pas très pratique pour filmer. Je sais plus si on est passé par là tout à l'heure. Attendez, je vais vous filmer ça. Salut Yukiara. Ah ouais. Ah, je savais pas que les nonnes portaient des côtes de maille. Oui, c'est, mais j'ai, alors j'y ai pensé, Canary. Il a choisi bien mal. La coupe du Christ. Cadran solaire. Oui, on est passé par là tout à l'heure, je crois. Oui, et puis on a pris à gauche là-bas. Je trouve que c'est à moi qu'on parlait. Ouh, c'est joli par là. Est-ce que ça serait pas le portrait de Viollet le Duc? Juste là. Enfin, le portrait, le buste. Pas du tout. La cité reconnaissante. Marcou. TH Marcou, Thomas Marcou. Je sais pas qui c'est. J'ai pas vu ça dans les vidéos d'histoire. Oh là, les petites ruelles là, c'est très joli. Théophile Marcou. C'est qui Théophile Marcou? Très joli là. Avocat, ok. Bon, il y a beaucoup de bars, de restaurants. Président de l'Académie des Arts et des Sciences de Carcassonne en 1848. Ah bah donc à l'époque de Viollet-le-Duc, ouais. Incroyable. Et il fut de ceux qui proclamèrent la République à Carcassonne dans la soirée du 4 septembre 1870. Il exerça des fonctions de maire. Ok. Ah merde, je pensais qu'il y avait une terrasse là. Attendez, on va monter. Je sais pas par où. Ah, c'est pas par là. Hein. Non, c'est pas par là. Après, est-ce qu'il y a certains trucs qui sont fermés et genre il faut payer? Eh, mais c'est ma femme sur ce banc avec le mec. Ça dit pour l'image. Elle m'a dit qu'elle était au boulot. Ah merde. Comment vas-tu, pour l'image? Cette diablerie, messire. Bonjour, Jacouille. Attends. Attends, bouge pas. Messire Jacouille. Attendez, on va aller dans la rue là. Dingue. Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Attendez. Non, allez-y, allez-y. Non, non, no problem. Thank you. Merci, Vasectomie. Je vais laisser faire leur photo quand même. Ah oui, on retombe sur... Oui, d'accord, on retombe sur la rue où il y avait les... Véritable home de chevalier, forgé main.
Ah oui, alors là, on est d'accord, on est sur... artisanat français taïwanais. Oui, non, je fais attention à énerver. Véritables armes à feu, comme au Moyen-Âge, voilà, c'est ça. Qui nous viennent tout droit de Saïgon. Musée de l'Inquisition, où ça? J'ai loupé? Parce qu'il y a effectivement la tour de l'inquisiteur, là où il torturait les gens. Je sais plus où c'est justement, on va essayer de passer devant tout à l'heure là, mais... Voilà, le kebab en 1254 avant Jésus-Christ, exactement. En fait, on va apprendre que le kebab est originaire de Castelnaudary, là. Maison du cassoulet. Ah oui? Ah oui, oui, de la torture. Oula, les lumières, là. Maison du cassoulet. Le cassoulet maison aux deux confits, 18 euros. Un kebab au cassoulet. Ah, quel enfer! Je peux avoir une gaufre cassoulet Nutella, s'il vous plaît. Tour du Trésor, office de tourisme. Ah, alors là, pareil, hein, je sais pas si vous entendez, on est sur des musiques traditionnelles occitanes. Voilà, c'est exactement, c'est typiquement ce qui me gêne un peu, quoi. Sous les ch'tis. Oh mon dieu. Au bûcher hérétique. Est-ce que ça serait pas dans ce coin là, les quartiers de l'inquisiteur? J'essaie de me rappeler sur la vidéo que j'ai vue. J'essaie de me souvenir. Là, cette boutique est bien. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Je crois qu'il a dit Machtou Pichtou. Machtou Pichtou. Faut écouter si t'entendais. Crie pas ça pour trouver le quartier de l'inquisiteur. Oui, parce qu'en fait, le... Alors, je saurais plus vous expliquer, mais après les invasions barbares, il y a eu les Cathares. Et les Cathares se sont fait chasser, du coup, et ont été torturés. Et c'est le Mimi. Ouais, c'est Carcassonne, ouais. Ah ben là, c'est là par où je suis arrivé, là. Oui, oui. Sorti seulement. Oh putain. Ah, la fameuse épée de Zelda. Voilà. La fameuse épée de Zelda des châteaux cathares. D'accord. Seulement 150 euros forgés dans les... forgé localement. Ah, ils ont une équipe de Béour. Oui, 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 je vois très bien ce que c'est le Béour. C'est assez vénère, le Béour. Ah bah là, il y en a, oui. Forgé main. Voilà. Exactement, j'ai le même à la maison. Ah oui, mais c'est ce que je disais, hein, c'est voilà, c'est le syndrome. Tu veux quoi? Tu veux une épée en plastoc? Une épée en plastoc made in Taïwan.
6€ le casque de chevalier. 8,50€. Ils sont trop petits pour moi. J'ai le même, hein, j'ai vraiment le même. Une vraie de vraie. Très bien, bah j'attends ton virement, écoute. Pas de problème. Bonjour. Plastique forgé main, exactement. Bah là, il y a exactement la même au Mont-Saint-Michel. Hein. C'est, voilà. Tout pareil. Miam. Bon, faudrait se poser pour boire un coup. Ça vient de se poser, de trouver un bar où il n'y a pas trop de monde. Les boutiques de bonbons pirates, il y en a à Montmartre aussi. Ah bah oui, non mais c'est... Auberge de jeunesse. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, vous? Super. Ouais. C'est bien, les gens sont tous souriants, ils me regardent. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. C'est ça, aussi médiévaux que les kebabs. Rue Raymond Roger, Tancravel. Ah non, Trancavel. C'est pas tous les jours qu'on voit un proche chevalier qui a sauvé Hyrule. C'est ça. Oh là, je m'en vais sauver Hyrule. Putain, on dirait la vraie. On dirait la vraie commande, quoi. Et salut Ardemus, merci pour le lurk. Montjoie, Saint-Denis! Oh bah c'est bien calme tout d'un coup là. Police municipale. Hein. Ah, peut-être qu'ils vont être habillés en chevalier comme moi. C'est ça. Mécréant! Et merci Bran pour le follow. Ah, ça fait tout de suite moins médiéval là. Hein. Police municipale, hein. Maréchaussée de la Stavelle de Carcassonne. Un peu plus portugais pour le crépi. Auberge d'Hélice. Il est quelle heure? Il est midi. Eval? Quoi? J'ai rien compris. Ah oui, d'accord, oui. Oh, c'est très joli, ça. Ah bah, incroyable, Mimi. Ah, les Bretons, ils sont partout. Ils sont partout, les Bretons. Oui, alors là, c'est une des autres entrées de la ville. Oh,
Oh putain, ça souffle. Ça souffle. Ah oui. Très bien. Bonjour madame. Ah oui, il est midi. Ah oui, alors ce qui est bien dans les blagues nulles, c'est de les expliquer, c'est encore mieux. Messire, un sarrasin dans une chariote du diable. Attends, c'est une entrée condamnée, ça? J'ai peur de rentrer par ce... Attention, je m'aventure. Si ça capte mal, je recule. Hein. Ah oui, ben on arrive dans le deuxième... Oula. Oh. Et on lui pèlera le jonc. Incroyable. Ouais, c'est des murs épais, ça. Ah, putain. Bon, allons nous chercher une taverne pour demander ripaille. Enfin, ripaille liquide, hein. Ouais, la cathédrale, qui a perdu son statut de cathédrale pour la ville basse, pour une église de la ville basse. Alors je sais plus en quelle année. On va retourner par là. Salut Zaius, pas du tout. Non, ça va. Salut Gambou, comment vas-tu? Oh, pardon. Mais t'as pas de nostalgie. Il reviendra après moi. Tu peux aller voir Nicolas. J'ai du mal de vivre sur le passé en plus. Oui, ben je crois que... Pardon, excusez-moi. Je crois que ma compagne est venue pour le 14 juillet l'année dernière, justement. Si je dis pas de bêtises. Alors... Bon, là, on est sur quelque chose de très moderne. Restauration moldave. T'as de la chance avec la météo. Ben, à la base, je pensais y aller samedi, mais ils annonçaient de la pluie. Et il y a toujours un risque de pluie demain, même si c'est un peu moins présent. Donc bon. Oui, j'ai vu qu'ils projetaient beaucoup de choses aussi sur les murs de la cité. Ah, le fameux CBD du Moyen-Âge. Voilà. Anciennement de l'alchimiste. Ah, je sentais une goutte. Le combattant de Béour de l'équipe la plus proche de la ville habite à 20 minutes.
T'es en IRL jusqu'à quelle heure? C'est pas sûr que ça aboutisse. Je sais pas, écoute, 19h je dirais dans ces eaux-là. Ça dépend surtout de la batterie, hein. Ça dépend surtout de la batterie du téléphone. C'est pour ça que je pense qu'il est temps d'envisager de changer de téléphone. Hein. Ok, le micro, il tient bien. Tout va bien. Oh les saucissons. Oh putain. Oh là. C'est bonne pitance ça. Oh putain. Saucissons fumés au poivre, noix, noisette, Saint-Nectaire, taureau, cèpe, comté, canard, espelette, chèvre, camembert. Ok ben bah, je viens d'avoir littéralement un orgasme. Par contre il pleut là. Il pleut vite, messire. Alors attends, faut qu'on se pose quelque part là. À l'abri. À l'abri de la pluie. Et il y en a certains qui sont pas ouverts. Il pleuviote. Fallait bien dans le nord. Ouais, ça va pour tout de suite le nord, mais. Attendez, ouais, un endroit où il n'y a pas trop de monde. Avec un joli cadrage possible. La grande brasserie, bon là ils doivent servir à boire. Ils doivent servir à boire ici. Je me mets à l'abri de la pluie. Bonjour. Alors attendez. Ok, la batterie externe. Attendez, je vais retirer mon sac, hein. Bougez pas. Ah, ah putain. Ok. Sacrément branché le chevalier. Ah bah ouais, attends, ouais. Faut ce qu'il faut, hein. Téléphone est en charge. Le téléphone est en charge. Voilà, nickel. Puis alors, ce qui est bien, c'est que je peux m'éloigner. Voilà, normalement, vous m'entendez bien, là. Ça va, vous m'entendez toujours bien? Tip top, parfait. Bon bah il est super ce micro. Attendez. Ça c'est pour manger. J'avais pas vu. Oui ouais, le micro juste là, ouais. Une formule petit déjeuner, non? Hippocras, muscat, bagnouls, blanquette de Limoux. Ah,
Hippocras obligé. Ouais, après, je suis pas grand fan. Hein. On dirait pas comme ça, mais je suis assez difficile pour un alcool. Hein. Alors, en même temps, les bières... Putain, Henken, Pelfort... Prends un pastis ? Non, merci, non. C'est non. Fraise des bois. Liqueur de fraise des bois. Il y en a du blanc que rouge. De quoi l'Hippocras ? C'est pas précisé. Hippocras, Muscat ou Banyuls. Pelfort, ça passe en vrai. Ouah, c'est pas terrible. Hein. C'est quand même pas folichon. Hein. Non, j'ai déjà bu une pinte à midi. Allez, vas-y, je vais prendre un Hippocras pour faire comme les Romains, là. À Rome, on fait comme les Romains. Oh, j'ai un truc dans l'œil. C'est bon. Blanquette de Milou ? Quoi ? C'est pas romain ? Mais je sais que c'est pas romain, mais il est con ! Tu connais pas l'expression « on fait comme les Romains » ? Salut Gangster, hein, comment vas-tu ? Tu t'es arrêté au même bar ? Ah ouais ? Tu connais pas l'expression « à Rome, on fait comme les Romains », what the fuck. J'entends ça tout le temps quand je parle d'Hippocras. Je pense pas qu'il y ait un rapport. Hein. Je pense que l'expression, c'est juste, voilà... C'est-à-dire que là, je vais pas boire du pastis, quoi. C'est plus à l'est. Bonjour. Je vais vous prendre un Hippocras, s'il vous plaît. Un Hippocras ? Ouais. C'est pas surprenant, peut-être que vous avez... Exactement. Après une vidéo ? Ouais, je suis en direct. En direct, ouais, sur Twitch. Okay, ça vous dérange pas, pas? On vous entend, on vous voit pas, mais... Bonjour sur Twitch. Ah voilà, il vous dit bonjour. Voilà. Ok, bien vu, passe-moi. Ah, alors, on a dit un Hippocras, ouais. C'est parti. Merci. On fait comme les locaux, voilà, exactement. Exactement. Ah, putain. Bonjour, bordel. Pas mal le micro, ah ouais, très satisfait. Et en plus, ce qui est fou, c'est que j'en ai un deuxième. Attendez. Oui, j'ai la boîte là, avec. Dire que si celui-là il tombe en panne de batterie, j'ai le deuxième. Hop, qui est juste là. Ou même si je croise quelqu'un qui veut venir discuter, je sors le micro. Je sors le micro, je l'allume, et hop, voilà. Oui, voilà. Bon, je vais éviter d'allumer le deuxième parce que sinon vous allez m'entendre avec un effet de réverb très chelou. Oui, c'est les mêmes du... Ouais, tout à fait. En fait, j'en avais commandé. Mais j'avais reçu les versions Lightning, parce que j'avais mal lu. Et du coup, je les ai renvoyés, ils m'ont remboursé. Et c'était plus en stock. Et là, c'est revenu en stock il y a une semaine et demie. Un seul exemplaire, j'ai commandé direct. J'ai pas réfléchi. Ah, tu reconnais pas ? Ouais, pourtant, c'est le même, hein, tu vois. C'est vraiment le même, foutu de la même manière. J'espère que je peux le régler en terrasse, hein, parce que... Bon, dans tous les cas, je vous rappelle que demain, je stream déjà toute la journée, et je vous attends nombreuses et nombreux demain soir à 20h pour le live dont vous êtes le héros, le retour des livres éponymes, les livres dont vous êtes le héros. Ça va être très cool. Voilà, vous verrez l'overlay très sympa en plus. Et oubliez pas que la semaine prochaine, hein, le samedi de la semaine prochaine, samedi 28, il y a le live spécial. Live spécial dessin animé avec Son Goku. Je me concentrais sur mon équilibre et ton beau corps sculpté par le vent marin. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, le trajet en bagnole, incroyable. Hein. Sur l'autoroute, la bagnole, elle consomme entre 2,5 litres et 5 litres au 100. J'étais en mode, ah oui, c'est pas beaucoup.
Ah oui. C'est peu ? Oui. C'est la bonne saison. Et hyper confort, hein. Exactement. Donc agréable surprise. Hein. Oui, c'est un diesel, ouais. C'est un diesel. Ouais. J'ai essayé le moteur, la version sport aussi, c'est sympa, mais bon. Moi qui conduis pas trop vite. C'est quoi la voiture ? C'est une allemande. 2,5 litres au 100 en diesel, oui. Oui, oui. Bah, c'est une voiture récente. Hein. Salut mes gars, comment vas-tu ? Ouais, au plus bas, c'était sur du 2 litres, 2,5 litres au 100 et au plus haut, 5 litres sur l'autoroute. En mode éco. Hein. Je précise que j'étais en mode éco. Hein. C'est génial comme conso. Ah ouais, ouais, clairement. J'ai une essence, une série essence. Je consomme pas tant que ça pour une 136 chevaux. Moi, j'ai moins de chevaux. Hein. Moi, j'ai 116 chevaux. Non, mais la moyenne sur le trajet, c'est 4,8. 4,8 pour 3 heures de voiture. Hein. Sachant qu'en en ville, tu consommes plus, hein, forcément. Ah, dès que t'es sur une route bien plate, bien propre, tu consommes plus rien du tout. Oui, c'est une classe A, ouais. Ouais, c'est ça. Par contre, forcément, en ville, hein, dès que tu arrêtes pas de changer de couple moteur, de vitesse, là, tu consommes beaucoup plus. Hein. En ville, je pense que tu dois être à 6 de moyenne. Ce qui reste correct pour de la ville, hein, franchement. Mais campagne c'est vraiment... Campagne et autoroute, c'est plaisant. Hein. 220 chevaux. Mais qu'est-ce que tu branles avec 220 chevaux? What the fuck? Les bigoudis dans la barbe au lieu de faire avec les doigts, oui voilà, exactement. La Tesla c'est 325. Ah mais là il y a quelque chose à compenser là, faut se poser des questions. Là. Après la Tesla elle est très lourde. Rien que les batteries, ça alourdit énormément le poids de la bagnole. Quoi ? Feur ? Un chevalier au bistrot, c'est top prestige. Salut Gabizomeux, comment vas-tu ? Oui, mais justement, si ton kiff, c'est de te dire que tu mets une tôle aux autres marques, c'est qu'il y a un problème de... T'essaies de compenser quelque chose, c'est ça ? 510 chevaux. Ah oui, d'accord, ok. 10 litres au 100. Ah putain, mais oui, c'est vrai, tu m'avais expliqué, Freddy. Ouais. Ah ouais, 10 litres au 100. Et un hypocrase pour monsieur. Merci beaucoup. Voilà pour vous. Je pourrais vous régler directement ici ? Oui, il n'y a pas de soucis. Par carte, c'est possible ? Il n'y a pas à bouger. C'est bon. Super, merci. Assis. L'hypocrase. Rouge, du coup. Donc ça sent bon, hein. Ça sent un peu le vin chaud. Sauf que c'est froid. Ah oh, c'est bon. Par sesterce, pas par carte bleue. C'est ça, je vais régler par sesterce. Oui. Ça marche évidemment. Pas de problème. C'est un concours de chevaux dans le chat. Mais c'est ça, c'est le concours de quéquettes. C'est du vin chaud mais froid. Bah oui, c'est ça. C'est bon, c'est très épicé.
très fruité, très sucré. Sympa. Bon, faut vraiment que je change de téléphone. Hein. Salut Maïk, comment vas-tu? C'est sympa, hein, c'est sympa. C'est pas mon kiff absolu, mais c'est sympa, ouais. Il est chez le maréchal Ferrand, ouais, exactement. Je l'ai laissé au maréchal Ferrand, le cheval. Toi, il y en a, ils en ont 600, 300, moi j'en ai qu'un. Trop mignon le chien là. Regardez le chien comme il est trop mignon. Oh le kiki. Oh le kiki. Oh le kiki. Oh le dolola le kiki. Il va te bouffer. Salut Benan. Oui, je suis tout seul cette fois-ci, ouais. Tout à fait. Hein. Est-ce que ça recharge au moins là? J'ai pas l'impression que ça recharge. Hein. T'habites à Carcassonne, Venan? Mais non. Mais viens. C'est l'occasion. Hein. Je suis à Carcassonne. Voilà, t'as qu'à venir. L'image était parfaite. Deux. Non, c'est faux. Ah bah super. Ah, de toi tenant le verre, hein, comme ça. Je suis kécho par ton accoutrement, comme disent les Jones. Et bonjour Crozer, comment vas-tu? Bel anachronisme avec le micro. Oui, t'as vu, hein? Tel un intermittent du spectacle, entre deux représentations au Puy du Fou. Je connais bien après Carcassonne, hein, j'y suis venu plusieurs fois. Hein. Mais c'est joli, ouais, c'est joli. Après, c'est pourri par les boutiques de tourisme. Hein. Ça, je trouve que ça devrait être contrôlé par la région ou par la municipalité. Mais... C'est un peu dommage, je trouve ça. Mais c'est comme au Mont-Saint-Michel, hein. C'est tout pareil. Hein. Oui, oui, mais bon, ça j'ai l'habitude, je fais quasiment 2 mètres déjà de base, même sans costume. À Saint-Marin, c'est pareil, ouais. Ça me surprend pas. Tous les grands lieux touristiques. Mais je sais pas, moi, les lieux historiques comme ça, je sais pas, ça devrait être sécurisé. Après, je me doute que ça fait aussi partie de ce qui fait vivre le truc, hein, qui doit alimenter la restauration, tout ça, des bâtiments. Oui, je vais vous payer en sesterces, oui. C'est parti. Donc ça fait 6 sesterces et demi, s'il vous plaît. Très bien. Tac. Vous êtes du coup? Pas du tout, j'habite à Pau. Ah oui. Bon, c'est pas très loin non plus, hein. Très loin non plus, ça reste le sud-ouest, hein, mais... Très bien. Vous voulez critiquer, peut-être? Non, non, ça va, merci. Parfait. Un ticket ? Non, c'est bon, c'est bon. Ça marche, merci beaucoup. Merci. C'est l'histoire du ménestrel qui aimait la poésie. Il voulait toujours chanter pour ses amis quand un jour
Dans les collines, un grand troll s'est approché, il a sorti sa guitare et s'est fait tuer. Ok. Oui, bah, c'est vrai que la vidéo d'Inoxtag, ça fait peur, hein, clairement. Vous avez pas de peau. Attends, je suis surpris. Je l'ai payé 6,50€. Il est indiqué à 5,90€ sur la carte. Est-ce que je me serais fait taverniser là? Je me suis fait flouted. Scamed. Ah, attendez. Ça n'a rien passé, vous n'avez rien vu. Ah ouais, tu penses que c'est ça? Terracède. Link et Terracède. Ah non, ça maintient juste la batterie. La batterie ne descend pas, mais ça ne la recharge pas. C'est ça, mais oh putain, attendez, je sais pas pourquoi ça fait ça, c'est très chiant. Merci Béchutzer pour le lurk, j'espère que tu vas bien. Bon, il déconne complètement ce truc. Ah, je le déguste, hein, à 6,50€. Ne vous inquiétez pas, je termine mon Hippocras. Et nous allons retourner visiter la ville. Philippe Laville ? Ah merde, elle préfère l'amour en mer. Elle préfère Bruno Le Maire. Petite pensée pour Bruno Le Maire. Il est bon au moins, oui, ça va. Après, je suis pas un grand amateur. Ça vaut les 6€? Non. Je ne trouve pas, non. Le musée de la torture, je pourrais pas rentrer dedans. Déjà, je pense que j'aurais pas le droit de filmer dedans, de une. Et je pense que le téléphone ne captera pas dedans. Attendez, je décale mon téléphone. Ça devrait mieux tenir. C'est mieux. Il va donner des cours à Lausanne pour 180 000 balles par an, Bruno Le Maire. Ah bah super. Ça en fait des voitures, ça. Bon, c'est un peu dommage, le verre est ébréché. Regardez. Après bon, c'est une brasserie, hein. C'est pas non plus... Je vais pas juger la vaisselle. Hein. Oui, après, Valine, n'oublie pas qu'on est dans un lieu extrêmement touristique. Hein. C'est comme La Rochelle, les pintes à 11€, hein, c'est pareil. Hein. Voilà, le prix normal, c'est touristique. Ça me choque pas. C'est cher, mais ça me choque pas, c'est normal. Hein. Les mecs profitent du tourisme, hein, c'est... Encore une fois, c'est aussi ça qui fait vivre hein, la région. Hein. Ça fait le prix de révision de Bugatti. Ouais, tu peux le cadre de l'ensemble, j'aurais tendance à dire. Hein, mais... 13,50€ un verre d'Hippocras à Paris, mais non. Ouais, tout à fait, les loyers doivent être très très élevés, ouais.
Ah, j'ai pas regardé le prix des softs là. Hein. Escargot en 12 escargots en persillade, 13,50€. Hein. Oh putain. Oui, du clou de girofle, ouais. Ah, le cardamone, ouais. Attends, je vais regarder la carte là par curiosité, savoir ce qu'ils servent. Ils servent des crêpes. Alors les sodas, par exemple, un... Attends, je trouve pas le... Je suis bigleux. Un coca, 4,90€. €5 le verre de coca. Ça fait beaucoup. Tartatin, 9,90€. Non, c'est assez calme en ce moment, Gambo. Justement, c'est aussi pour ça que j'ai choisi la saison. Hein. Parce que sinon, il y a des événements tout le temps, Carcassonne l'été. Portion de frites, 6,50€. Le coca millésimé. Belaise, 9€ les 4 centilitres. Attends, pourquoi je vois pas... Ah, et salut Christophe. C'est cher, non mais oubliez pas que c'est un lieu touristique. Hein. C'est un des lieux les plus visités de France. Hein. Je sais plus combien il y a de visiteurs par an, mais c'est plusieurs millions. Alors ce qui est marrant, c'est que ma compagne se promène... merci Belgabo, c'est gentil. C'est pas du coca, c'est l'hypocrase, mais merci pour les 200 bits. C'est très sympa, merci. Ma compagne est aussi en train de se promener dans Carcassonne. Ça se trouve, elle m'a déjà croisé, moi je l'ai pas vu. Ah oui, ben on en a déjà parlé en live de ce cocktail-là, le mélange de vin et de coca, ouais. Au secours. Le Calimucho. À l'aide. Je suis en vacances à Agde, c'est pareil, le bar c'est hyper cher. Mais tous les lieux touristiques. Tous les lieux touristiques c'est cher. Non, elle n'est pas en tenue d'époque, non. Non, non. Il fait des économies en vêtements. Pastis coca. Mais je vous dis un jour, essayez par curiosité de mélanger du coca et du Belaise. Faites juste l'expérience, vous n'allez pas être déçus. Mais t'es de quel coin, Benane? Oh, Papy Geek, bonjour. Non, rebonjour. C'est trop dur la vie, capitaine. Je veux boire un coup en terrasse. Merci pour les bits. Attends, mais t'habites vraiment Carcassonne ou je comprends rien?
Ah, Cahors, à Cahors, ok. Effectivement, c'est pas Carcassonne. Dans le Lot. J'ai bientôt fini mon verre. Hein. Même si je le déguste. Et pareil, n'hésitez pas les amis, il y a toujours le sub-goal hein, qui est actif. Le sub-goal pour le live sur les jeux pourris. Je sais plus à combien on est. Je pense qu'on est à quasiment 30. Tu repars avec des spécialités ? Bah, je sais pas, parce qu'à part le cassoulet de Castelnaudary qui est à côté, puis le cassoulet, je suis pas un immense fan. Bon, t'as la bière hein, qui est pas trop chère encore. Je sais pas combien est la pinte de bière en l'occurrence. Attendez, on va regarder. Les armures en plastique, super. Dessert, crêpes, boissons chaudes, coupe glacée, whisky, rhum, liqueur, apéritifs régionaux. Bah merde. Pression. 1 litre de bière, 20 euros. Oh, putain, une pinte de Heineken, 10,50 euros. It says rap. 12 euros la pinte de la bière occitane. Ah. Ouais, bah j'ai bien fait de prendre un hypocras. Salut Juste Lan, salut la Boubou, salut Plop Monkey. T'as payé combien pour ta soirée? Merci pour les bits d'Angster. C'est encore plus cher que le quartier UP. C'est plus cher que la Rochelle, rappelez-vous, c'est l'endroit où j'ai payé le plus cher ma bière. Hein. Eh oui, la Rochelle. Tu n'es pas à Montmartre, c'est pas le plus cher. On pourrait croire, mais c'est pas le plus cher. Oui, 20 balles le litre de Heineken. Ouais, de Heineken. Heineken, déjà c'est dégueulasse. Ah oui, il y a beaucoup de châteaux à visiter au Luxembourg. Ah ouais ? C'est marrant, c'est pas l'image que je me fais du Luxembourg. Hein. Ah non, j'ai eu que dalle de réduc. Hein. Je vais faire comme Studio Daniel, je vais faire la tournée de la France avec 0 euros dans les poches. Là. C'est le concept de l'émission. La France avec zéro croustille. T'es déguisé? Non, c'est mes vêtements de tous les jours. C'est mes vêtements de tous les jours parce que je considère que... voilà. Ah, il y a un train de la hype en cours. Incroyable. Eh bien, écoutez, les amis, s'il y a un train de la hype en cours, encore une fois, n'hésitez pas, il y a un sub-goal pour me faire jouer à des jeux de merde. Une journée complète dédiée aux jeux de merde, hein, notamment Bubsy 3D. Comment il s'appelle, Dragon Slayer, Bubsy 3D, Pac-Man The New Adventure, hein, voilà, n'hésitez pas, hein. Il y a une joute de la hype. OMG ce cosplay. Bonjour Seigneur Imhotep. Je crois qu'on est bientôt à la moitié du sub goal, donc n'hésitez pas les amis, ça soutient la chaîne, ça paye l'hypocras, ça paye le carburant pour venir. Merci Papy Geek pour le sub offert à Chevalier Barbu. Merci beaucoup. C'est bon, j'ai fini l'hypocras. Attendez que je scroll, j'ai loupé quelqu'un. Et salut Saver, comment vas-tu? Oh, merci beaucoup Maïk, incroyable.
Merci pour les 10 subs offerts à la communauté, t'as un amour, merci de ton soutien. Je sais pas combien il est de subs offerts, Maïk, mais merci beaucoup, c'est très gentil à toi. Merci infiniment. Attendez, mais on est à combien sur le sub goal? Est-ce que quelqu'un peut nous dire à combien on est là? Je vais refermer mon sac et on va repartir. T'as choisi judicieusement ta boisson, voilà. Il a choisi bien mal. 577 subs offerts, incroyable. 39 sur 65. Alors attendez, il reste 26. Il reste 26 subs, les amis, pour valider le sub goal. Je ne sais pas combien on est au train de la hype, mais et merci Gwambu, merci pour le sub offert à Hippocrate, bien sûr. Voilà, il reste 25. Il reste plus que 25. Incroyable. Sachant qu'il y a de fortes chances que ça soit transformé en gaming pompette, hein, cette journée dédiée aux jeux de merde, c'est fort probable. Cette cagoule qui commence à me chatouiller les croustilles. Enfin, cette côte de maille, pardon, véritable côte de maille, forgée main par les Templiers moldaves. Que j'ai débranché la batterie. Mickey, la batterie! On va remettre le sac à dos. Oh là. Oh là là! Olivier! Et merci Jacouille. Merci pour le sub offert à Messire Triste Couille. Putain! Vraie côte de maille et vrai plastron métallique, les vrais savent. Attendez, ça c'est quoi? C'est les clés de la voiture. Je vais mettre les clés de la voiture dans mon sac. Pardon. Voilà, les clés dans le sac. La batterie du téléphone dans la poche. Salut Rémi, comment vas-tu? Attends, du coup, on est à quoi? On est à 24 restants, non? Si je ne m'abuse. Alors, attendez. Je remets mon froc. Ouais. Hop. Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti. Buenas tardes. Adios. Oui, je suis venu à cheval, exactement. Ah. Tu veux dire ta selle pour ton fidèle destrier et ton pigeon voyageur. Voilà, oui, pardon. Excusez-moi, attendez, j'ai ma batterie, j'ai mes sesterces, j'ai les clés du cheval dans le sac. C'est bon, les clés du cheval sont dans le sac. C'était bien ce bar, mais incroyable. Là, tu vois, on est connecté. Faut penser aux noix de coco. Alors, quelqu'un disait Monty Python en début de live, je disais justement, j'avais oublié les noix de coco. Attendez, je vais retourner la caméra. Là, vous m'avez assez vu, je pense. Ah oui. Bonjour. Faudrait que je trouve les quartiers de l'Inquisition, là. Je sais pas où c'est. Attendez, je vais poser la question. Bonjour. Excusez-moi, je cherche les quartiers de l'Inquisiteur. Oui, il faut faire tout de suite à droite. Ouais.
vous avancez jusqu'au grand puits. D'accord. Et après, vous allez voir à gauche. Ouais. Il y a une maison d'inquisition. D'accord. Super. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci, madame. Oui, c'est ça, j'ai chargé le pigeon voyageur, exactement. Bon, allons voir les quartiers de l'Inquisition, elle m'a dit tout de suite à droite. Et après, j'ai plus rien compris. Au pire, on reposera la question à quelqu'un d'autre. De la lavande. Des sachets de lavande. Oh les kiki. Achète-moi un sambon pour voiture. Tu veux dire pour le cheval? Alors le puits, il est là. Dans le puits, bah, y a rien, hein. Y a rien. La maison hantée. Oula, je vais me casser la gueule. Ah, musée de la torture. Donc ça doit être par là, hein. Je suppose que c'est par là. Je pense. Alors, est-ce que ça serait pas par là, musée de l'Inquisition ? Parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a eu du coup un inquisiteur et une tour de la torture à Carcassonne. Je crois que c'est quand les chrétiens ont repris la région au Qatar. On est en 4 FPS. Quoi ? T'es sûr que ça vient pas de ton côté là plutôt ? Parce que là ça m'a l'air fluide. Hein. 4 FPS ça me paraît un petit peu... Non ? Un petit peu exagéré, non ? Bon, le musée de l'Inquisition, je ne pourrai pas y rentrer parce que ça ne captera pas l'intérieur. Pas de soucis de live ici. Bah oui, non, mais je pense que ça vient de lui. Hein. Ça vient de ce côté. Enfin, lui ou elle, hein, je ne sais pas. Rue Saint-Jean. Logis des remparts. Putain, mais elle est où la maison de l'Inquisition? Attends, est-ce qu'on est passé par là tout à l'heure? Je ne sais plus. Si tu rentres par l'A61, je te conseille le meilleur resto d'autoroute sur l'aire de Port-Lauragé. Ça vaut le détour. L'A61. Alors je. Bonjour. Comment ? Merci de nous protéger. Ah merci, oui, avec plaisir. attends, la 61 c'est quoi ? Oui non mais pas fluide ça, je vois, mais on n'est pas en 2 FPS quoi. Alors là, j'ai pas... Entre Castelnau et tout... Ah bah oui, je passe par là, oui. Et c'est quoi comme restaurant ? C'est quoi, c'est un routier ? Bon, le tour des remparts, j'ai peur que ça soit payant. Hein. Je ne sais pas. Onze FPS ? Oh, ça me paraît un peu faiblard, hein.
Oui, non, là clairement ça vient de toi, Crozer. 4 FPS, c'est pas possible. 4 FPS, c'est simple, c'est un diaporama. Mais non, mais pas fluide, c'est une chose. Mais 4 FPS, je pense que vous vous rendez pas compte. Hein. Tout maison et artisanal. Attends, tu peux m'envoyer en MP Discord, s'il te plaît, parce que je vais clairement oublier. Et il pleuviote. Mes réglages là, mais je pense pas que je puisse changer quoi que ce soit. Bonjour. Qu'est-ce que j'ai à disposition? Caméra pro. Non, j'ai pas vraiment d'options pour vous améliorer ça. Oh le. Allez, le cassoulet. Attendez. Bon, il pleut, hein. Bon, je pourrais pas regarder en live, Gabizome, mais j'ai vu que tu m'as envoyé le message. Salut Fasteco, comment vas-tu? Ah, back to Carcassonne. Ah, j'ai pas filmé, hein, c'est pas vrai. J'ai l'impression qu'ils sont déjà tous en train de plier boutique. Oui, il faut se mettre en 720. De toute façon, le live n'est qu'en 720p. Hein. Je stream pas en 1080 sur le téléphone. Je pense que le téléphone ne serait pas du tout assez puissant. Il est clair, 17h, hein. Il est tôt. Hein. Il faut quand même que ce soit drôle pour qu'il se marre, sinon
Oh là là. On peut voir. Et donc, ouais, tu crois ? Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Je vais vous faire un petit cadeau, monsieur. Non, c'est gentil, c'est gentil. Bon, nous, on était là-bas tout à l'heure. Je pense à la tronche des passants et au besoin de mettre une facecam en incruste. Une facecam... Attends, quoi ? Oh là là, bon, ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est vraiment très dommage. Bonjour. Ouais, C'est un templario. Oui, voilà l'armure. Hein. Ouais, c'est moldave. De toute façon, c'est pas très grand, hein. Mais oui, mais c'est, ouais, c'est ça qui est un peu dommage. Attendez, on va retourner vers l'entrée, l'autre entrée. Ah, des collègues. Bonjour. Elle est un peu plus petite, hein. Je fais pas le figure. Ouais, 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 bah c'est ce que je disais tout à l'heure, Gabuzo, ma compagne y allait. Et apparemment, c'était très joli. Donc là, c'est quoi ? C'est le château. Ouais, château et rempart, et effectivement, c'est payant. Mais alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut faire le tour des remparts sans rentrer dans le château ? Parce que le château, c'est sûr que je ne vais pas capter à l'intérieur, mais... J'ai demandé au... J'ai demandé au monsieur. Manana et après manana, deux jours. Samedi, dimanche, c'est les journées du patrimoine. C'est combien ? Là, c'est 13 euros. Non ? 13. 13 ? 13 euros, ça fait 26 euros. Pour 45 minutes, ça, c'est au lieu de 2 heures. Parce qu'on n'a pas un prix spécial. On paye le plein tarif jusqu'à la dernière minute. C'est le vieux carton, comment vas-tu ? C'est pardonnez-moi le gueux. Ok, il a l'air de dire qu'il faut 2 heures pour faire le tour des remparts. C'était bien ? Ah, ouais, mais bon, c'est 2 heures. Bonjour. Donc là, à l'heure qu'il est, vous ferez que le château, il avait la partie là. Vous ne pouvez pas faire tout parce que c'est 2 heures. C'est 13 euros, alors que demain et après-demain, c'est gratuit, c'est les journées du patrimoine. Ah putain, j'ai pas choisi mon bonjour. Hein. Demain, c'est gratuit, c'est les journées du patrimoine. Bon, il explique que du coup, c'est trop tard pour faire le tour des remparts. Il faut 2 heures et du coup, à 18 heures, ça s'arrête et c'est dans 1 heure. Voilà. C'est ballot. Bonjour. Bon, au moins comme ça, vous allez pouvoir voir le château. Comment
Pardon bébé, on attendez, est-ce que j'ai le grand angle? Non, est-ce vidéo, non. Oui. Voilà le château. Et donc la visite du château et le tour juste d'un bout des remparts, là c'est 13 euros. Mais le problème c'est que si on rentre dans le château et qu'on doit passer par des parties fermées ou en intérieur, j'ai peur que ça coupe le live. Hein. Donc dans le doute, pour 13 euros ça fait un peu chier. Putain, en fait j'aurais dû y aller tout de suite en arrivant. C'est ça, il fallait choisir entre boire un Hippocrate, et le tour des remparts, exactement. Est-ce que c'est plus fluide en grand angle? Le problème du grand angle, c'est que ça a du mal à gérer la luminosité en automatique. Va à gauche, bon restaurant, bah, je vais pas y manger hein, mais... Oh, putain, je crois qu'il y avait marqué chez Chaka. Pas du tout. À ce restaurant-là, le contre-G. C'est là que c'est bon. Planche de charcuterie. J'ai cru qu'il y avait marqué chez Chaka, mais non, il y avait marqué chez Saskia. Sérieux, vous sentez mon souffle dans votre nuque? Très joli, hein. Oh, les couteaux, oh, les jolis couteaux. Oh, les jolis couteaux. Ouh, les couteaux. Du nougat. Hôtel de la Cité. Là, on n'était pas passé encore ici. Hein. Très très joli. Alors, je peux essayer de rentrer, mais j'ai peur que ça coupe le réseau. Hein. On va aller voir. Est-ce qu'on peut filmer l'intérieur? Apparemment, oui. C'est très perturbant.
Merci la salière. Merci pour les bites. Je t'ai pas dit trop fort. Ça va la salière, tu vas bien? Je suis discret dans cet édifice religieux. Normalement, vous devriez bien m'entendre là, non? Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez 5 sur 5 dans le chat? Voilà, c'est bon, je peux refaire du bruit, parler normalement. Alors attendez, parce que là, il faut que je refixe le micro à ma côte de maille. Comment ça, j'ai... Non, j'en ai pas besoin, moi, j'ai rien à me reprocher. Hein. Vous savez, je suis un chevalier très, très pieux. Et du coup, bonjour, la salière, hein. J'espère que tu vas bien. Ah, putain, je suis posé. Non, ça marche pas, ça, monsieur souris, c'est dommage, hein. C'est ballot. Alors, voilà rue. Voilà. Ah merde, je l'ai pas fixé dans le bon sens. Ah putain. J'y étais il y a 3 mois au fort. Ah voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. D'ailleurs, la salière, je serai à Dijon. Je serai à Dijon au mois de novembre. Je vais avoir les dates très bientôt, hein, mais... je ferai des vlogs à Dijon au mois de novembre. Et j'irai sans doute dans mon village natal par la même occasion qu'est dans Lyon. Bonjour la ficelle, comment vous portez-vous? Ah enfin! Tu dors où du coup? Je n'ai pas réfléchi pour l'instant. Pour le moment, je n'y ai pas réfléchi. Mais il va falloir que je me penche dessus à toute hâte. Ah. Alors, attendez, parce que mes circoustis. Hop là. Attendez, je remets mon pantalon en place tel un chevalier galant. Alors, je ne sais pas où est l'autre entrée de la ville. Ça va être par là, je pense. Hein. Je ne sais pas pourquoi, je le sens bien. Ça sent bon. Tu es plus Godefroy ou Jacouille? Alors vu mon accoutrement, je serais quand même peut-être plus Godefroy parce que... Et encore j'ai dû, malheureusement, hein, parce que ça ne m'aurait pas déplu, j'ai dû laisser mon home de chevalier dans mon cheval. J'ai dû laisser mon home de chevalier dans mon cheval parce que celui-ci étant trop petit, dès que je penchais la tête, il se cassait la gueule. Donc comment vous dire que pour le vlog, je me suis dit que ça allait pas être pratique. Donc voilà. Si quelqu'un me demande comment je m'appelle sur Twitch, je lui réponds InoxTag, peut-être que ça va marcher. Attendez. Ah mais oui, mais on était là tout à l'heure. Ça y est, je me souviens. Ah oui, tu t'es bloqué le damier, je crois que t'en as parlé l'autre fois, non, il me semble. Salut Smoke, comment vas-tu?
Attends. On va aller voir par là, parce que si à l'entrée de la ville, que je monte le grand pont quand même. Alors il faut savoir qu'entre les deux épaisseurs de muraille, donc la muraille romaine et la muraille pour contrer les invasions barbares aux alentours du 6e ou plus tard, je ne sais plus. Bref, eh bien on pratiquait des joutes. Eh oui, eh bien le bonjour Messire Sanctum. Merci beaucoup pour le resub. J'espère que vous allez bien. Merci de votre soutien. Je te DM sur Discord, ça marche, pas de soucis. Pouvez-vous me fouetter le dos à coup de fléau? Alors le pire c'est que j'ai un fléau hein, chez moi. Enfin j'ai un Morningstar que j'avais acheté la boule du Morningstar à Emmaüs, que j'avais dû le payer 1€, qui est un vrai truc. Hein. Et du coup j'ai fait moi-même le manche orné de lanières de cuir. Mais comment dire que vu que c'est un vrai, je ne l'ai pas emmené. Pareil, l'épée de Gandalf, hein, vu le poids, tout ça, j'allais pas l'emmener. Vous pouvez vous en douter. Muraille Mathieu. Ah merde. Évidemment. Alors je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Hein. Alors là, d'un pas décidé. C'est bien, il y a un petit vent frais. Oui, c'est ça. Bah, de toute façon, même je pense qu'ils m'auraient confisqué l'épée. Hein. Parce que elle est hyper lourde, elle est en métal, elle est hyper pointue. Je pense que tu peux tuer sans problème quelqu'un en le transperçant avec. Alors, est-ce que je vais arriver dans un cul-de-sac ? C'est possible, hein? Je ne sais pas. Où ça pue? Où ça pue? La tour Mi Padre. Et non, ce n'est pas un cul-de-sac. Bah oui, mais c'est normal, hein? C'est une question de sécurité. Imagine, t'es en armure, t'as une arme même émoussée qui dépasse, un enfant course, la prend dans la tronche, bah t'es pas dans la merde, hein, je te le dis. Oh là là, c'est joli, c'est Zerschön. Et je vous rappelle les amis, on a beaucoup progressé sur le sub-goal en cours, donc n'hésitez pas. Je sais plus à combien on est parce que j'étais en train de partir du bar quand on avait un train de live tout à l'heure. Je vais vider un lièvre. Ah oui, il y en a qui ont des activités. Alors, je ne sais pas à combien on est du sub goal, mais n'hésitez pas. Petit sub goal pour me faire jouer à des jeux de merde comme Bubsy 3D. On va faire coucou aux gens dans la tour là-haut. Attendez, je zoome. Voilà. C'est une des rares viandes que je ne mange pas. Lapin, lièvre, non. Non, merci. Par contre, du porc, du cheval, pas de problème. Avec plaisir. Dans les prisons de Nantes. Oui, je regarderai après, ce soir. Pas de problème.
Il y avait un prisonnier, il y avait un prisonnier. Ouais, bon, je vais vider un cheval alors. Voilà, exactement. Allez, bonne chance. Ah, je crois qu'on arrive vers une des autres entrées de Carcassonne. Oui, ce genre connaît. Alors, je sais pas si vous apercevez là, des espèces de marques arrondies. En fait, ils ont fait des effets d'optique. Voilà, on en voit plein. Ils ont fait des effets d'optique sur la façade de la citadelle. Marque d'optique. Allô ? Personne. Oh putain ! Oh, j'ai failli me casser la gueule. Ça y est, j'ai failli mourir, je vous le dis. J'ai failli mourir à l'âge de 34 ans, c'est-à-dire c'était la retraite hein, à cette époque-là. Au 3e siècle avant Jésus-Christ, 34 ans, on était déjà grand-père. Moi j'ai pas un photo, monsieur. 5 euros. Non, je plaisante. J'essaye, mais ça marche pas. Ça marche pas ? Non, non, personne ne veut payer. Bah, c'est ça qui va pas, par contre, avec la... C'est un peu anachronique, c'est ça ? Ah, ouais, c'est ça. Il faudrait que j'y foute le feu, ça ressemblerait peut-être plus à une torche. Bonne journée, madame. Ah, bonjour, merci pour leur aide. C'est qui ? C'est Mimi ? Je vois rien du tout sur mon interface, là. Mais rebonjour et merci pour leur aide, c'est très sympa. Alors, je sais pas par où c'est. Je ne sais pas. Oula, ça sent la bougie. Ah, ça me barbecue maintenant. Oh bah oh putain, il y a du Tintin, incroyable. Ah mais incroyable. Ça sent brûlé, moi. Oui, ça sent brûlé, ça sent la bougie. T'es fou, là. Ah oui, 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 oui. Ouais, ça vient de là, ouais. On peut rentrer avec la caméra ? Filmer, ah bah je ne rentrerai pas alors, parce que je suis en direct. C'est bien dommage. Dommage, il y avait des tableaux Tintin. Ouais, c'est dommage. Oula oui, disons, ça sent le cramé là. En train de faire frire un hérétique là. Messire. Il y avait vraiment de la fumée qui sortait de la cuisine. Attends, mais on n'est pas passé par là encore aussi, là. What the fuck? Si? Non? Si? Ah si. Si, 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 on est passé par là tout à l'heure. Oh là. Ah, c'est des œuvres d'art, hein. C'est une galerie d'art d'Angster. C'est compliqué les galeries d'art à filmer. Hein. J'imagine que ça doit être pour ça, hein. Je sais pas. Je comprends moins, toi, quand c'est un commerce de bouffe ou de produits régionaux, ça n'a pas de sens, mais une galerie d'art, je peux comprendre à la limite. Thank you.
si on me demande en quoi je suis déguisé, je répondrai en Bernard Tapie. J'ai l'impression qu'on a fait plus ou moins tout le tour. Hein. Je suis retourné par là, là. Combien le sandwich? 15 euros? J'ai pas vu. J'ai pas vu. Bah, tu vois, la regarde. Filet de poulet, 14,50. Cassoulet, cuisse et saucisse fait maison. 20 minutes d'attente, 20 euros. Une grillade de porc, 17,50. Bah, c'est de toute façon, oui, c'est cher. Burger. Burger qui a l'air. Voilà. Ici, it seems Moldave. 12 euros. Bonjour. Pas d'un bi classé voleur, c'est ça. Marouflard professionnel. Ouais, bon là, oui, c'est vraiment la rue des. La rue des Roublards. Oh, you look like Sean Connery. Oui. De rien. Putain, et sauf dit Sean Connery. Incroyable. Choc barre de baiser le gamin. Je m'en suis foutu partout. Ah merde. Du quoi, du cheval là? Je suis sûr que si tu faisais une vidéo, et ben ça oui. Et j'ai une très bonne ouïe. J'ai entendu un. Oh, mais le mec, il est sur Twitch. Oui. C'est ça, you look like Sean Connery, merci de rien. C'est toujours un plaisir. Oh. Obladi oblada. Attends, est-ce qu'on est passé par là tout à l'heure? Je sais plus. Non, je crois pas, hein. Je crois pas, on va passer par là, hein. Dal sud, su 600 metri, dalla porta Narbonese alla porta Douvres. C'est beaucoup plus calme ici, c'est dommage. En vrai, je pense que... Spaghetti. Je pense que la prochaine fois, ce que je ferai, c'est que au prochain vlog, genre à Dijon, j'essaierai de prévoir des conneries à faire pendant le vlog. Genre devoir dire telle ou telle connerie à quelqu'un dans la rue ou ce genre de choses, ça peut être très très drôle. Ah, c'est en train de me prendre en photo contre mon gré. Très belle côte de maille, merci. C'est de forgé main par les forgerons elfes de Carcassonne, bien sûr. Vous savez, je peux me faire un masque à la moutarde. Non, vous racontez la blague l'éternelle. Attends, c'est, putain, je sais plus ce que c'est. Où la phrase c'est la moutarde là, je sais plus. Voilà, j'ai gâché la fin de la blague. C'est une côte de maille microfibre, exactement. On voit l'étiquette Décathlon. Bonjour. Bonjour.
Décathlon, c'est le nom du forgeron. Faites pas attention. Quechua. Non, c'est pas du Quechua. It's 100% chinois. 100% chinois. Une pelleteuse antique. Bah non, elle est en métal. Elle est pas antique. Pardon. Ça, par contre, il y en a certains. Ils te croisent du regard, ils sont en mode. Ils ont un balai dans le cul. Oula, oula, ça souffle. Au secours. Je vais m'envoler. Putain. Il y a du vent, ça souffle. Oh mon Dieu. Une chariote. Une chariote sans chevaux. C'est tout ferré. Mais sire, ça avance tout seul. Oh, 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 une deuxième. Oh, un Duster. Ah non, c'est une Sandero. Ah si, c'est un Duster. Oh non. Il m'a retrouvé. Et moi qui pensais m'être débarrassé de lui. Ah. Quelle diablerie. Il a changé de couleur entre temps pour pas que je le reconnaisse. Tu vas venir à Lille habillé en nain mineur? Pourquoi en nain mineur à Lille? Ah, attendez. Oh, c'est diablerie! C'est diablerie! Oh! Y'a que deux roues! Le Duster de l'angoisse. Le Nord, les mines. Ah oui, ah, oh, ah. Oh. Alors pour moi, les mines, j'avoue que moi qui viens de Bourgogne, c'est plutôt Monceau, mais pourquoi pas. Et oui, c'est ça, c'est, dans le Nord, c'est les corons. Oula, je viens de shooter dans un caillou, j'aurais pas dû, je me suis fait mal. Hashtag Aragorn. Gros caillou aussi, hein. C'est diablerie. T'as pas pris l'épée? Mais non. Mais non. Pour me le faire confisquer directement? Non. Évidemment que non. Carcassonne. Attends, mais on est revenu là? Non, mais je tourne en rond. C'est pas possible. Je tourne complètement en rond. Il y a de moins en moins de monde, il y avait plus de monde tout à l'heure, mais là, vu que l'heure avance, je pense que la plupart des touristes sont déjà partis. Il y a beaucoup de boutiques qui ferment. 45% de batterie, ça va, on est bien. On est bien, là. Bien, bien, bien. Un balai cheval, ça aurait été très très drôle, mais pas pratique avec la caméra.
entendez? Ah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Petit glissement de terrain là. Ça tonne au loin. C'est pas grave, ils parlent pas français les touristes. Ah, boutique de la truffe, les célèbres truffes de Carcassonne. Bonjour. C'est gentil. Tu vas être connu, hein, ouais. Mais j'ai des Espagnols qui ont des carnets pour le froid, ouais. Oui, bah oui, tout à fait, ouais, ça se fait vite, hein, cet hectare. Surtout qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de verticalité, mais on n'a pas pu faire les murailles. Bonjour. 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 ATM, ah oui. Écrit avec une police médiévale, c'est parfait ça. Bonjour. Attends, on va se poser là. Faut que j'attrape ma gourde, j'ai soif. Ah putain. Il y a beaucoup de PNJ dans le jeu. Oui, c'est le Unreal Engine 5 là, c'est. C'est pour ça que c'est pas encore bien optimisé, il y a des FPS un petit peu basses. Ah c'est le 6, oui pardon c'est le 6, c'est pour ça que ça lag. Ce que je peux vous dire, c'est que... Ce que je peux vous dire, c'est que ça gratte hein, sous cette cagoule. Ils viennent de dire aux infos, les remparts de Carcassonne sont détruites inexplicablement suite à une vibration de provenance inconnue, épicentre de l'explosion intérieure de la cité médiévale. 127 sur l'échelle de Richter. C'est ça, c'est Elder Scrolls 6. The Elder Scrolls Carcassonne. Il n'y a jamais eu autant de bits à l'écran en même temps, vous avez droit à 5 bits simultanément, même 6, 7. Alors, attendez, comment je vais faire pour attraper ma gourde? Parce que là, c'est pas pratique. C'est un peu la merde. Attendez, on va tenter quelque chose. Je vais essayer de poser, mais alors le problème c'est que le banc, il y a des rainures. Ah c'est bon. Merci. On lui aménage un rythme quand même, c'est cool. Ah oh, j'ai réussi à retirer le sac. C'est compliqué. Hein. Dur la vie de chevalier. Non, j'ai dit dur la vie de chevalier. Oui. Ah, ouais, oui. Qu'est-ce qui est-il? Non, c'était remettre le. Oui, en plus, il fait chaud, oui. Bonjour, bonjour Alien, merci pour le follow. Attendez. Voilà.
madame qui est passée là, que je lui parlais, du coup elle s'est arrêtée. C'était une bohémienne ? Non, non, du tout. Ah oui, ils ont fermé les portes du donjon. Attendez, il est quelle heure là ? 6h moins 10. Bon, on va retourner à l'entrée. On va finir, je pense, tranquillement à l'extérieur. Je serai passé 8 fois dans la rue. Ah bah non, bah je rentre chez moi, ouais. J'ai de la route encore. Hein. J'ai 3 heures de route après pour rentrer. Là. En plus, à dos de cheval, bah, c'est super long. Alors finalement, il y a encore des touristes qui arrivent. Hein. Il a un nom ton cheval ? Ah ouais, 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 tout à fait, ouais. Il s'appelle AMG le cheval. Non, non, il s'appelle pas Findus, non. Le cheval s'appelle AMG. Oh putain ! Eh bé. Bonjour. Tiens, on va finir sur les hauteurs du terrain de boule. Alors ça tire ou ça pointe ? Ça s'appelle Merco. Voilà, c'est ça. Où est-ce qu'on... Comment on monte au terrain de boule là ? Ah là. Comme ça, on aurait une belle vue. T'es sûr que ton cheval s'appelle pas Ablette ? Non. Non, il s'appelle pas Ablette, non. Alors. Voilà, on aura une vue. Ah putain. Ah putain. Eh ben, le sac à dos sous la cape, ça me nique. Ça me nique. Hop, je l'enlève tout de suite. Oh putain, j'ai failli tout déchirer. Ma précieuse cape en soie en Alcantara. Préviens madame, si tu rentres Paris 22h,
des boules avec... Attends, quoi? Si tu rentres Paris 22h, des boules avec 15... Alors... J'ai pas tout compris. Si tu rentres après 22h, des boules avec 15 grammes dans chaque poche. C'est du latin ? Pourtant, je suis censé parler le latin, moi, mais je comprends pas. Réfaillir. Ah oui. Il est incroyable, le mec d'hier, clairement. Salut, Palme. Bon, t'arrives vers la fin, Palme, là. Oh là là. C'est joli, mais c'est pas grand. C'est vrai que ça se fait vite. Le premier chevalier moldave. Ah, je crois qu'ils m'ont retrouvé. Donc là, ces fortifications-là sont récentes. Hein. C'est les fameuses modifs faits par Viollet-le-Duc et ses équipes. Bonjour Partarin, comment vas-tu ? Après dans les lieux sympas à faire dans le sud-ouest, il y a encore quoi ? Il y a encore Rocamadour que j'ai pas fait. Espelette, mais c'est pareil, ça va être terminé super vite en fait. Ça va être. Puis là avec l'arrivée de l'automne, je sais pas si c'est très approprié Espelette. Mais Rocamadour, ça peut être très sympa. Après c'est tout le nord de la France. Et puis après il faut envisager de faire certains endroits d'Europe, hein. Ça peut être très cool. Hein. Où sont les ménestrels et les troubadours ? Ah bah là je crois qu'ils sont partis. Ils ont fini leur journée plus tôt. Hein. Espelette, ça serait pimenté, ouais, exactement. Bon, ça pique pas beaucoup, hein. Piment d'Espelette, c'est plus un exhausteur de saveur. Je suis à côté d'Espelette, viens pour la fête du piment, c'est trop bien. C'est quand la fête du piment? Et salut, piège d'humain. C'est quand la fête du piment, Espelette? Après, si c'est un truc où il y a beaucoup de monde, où du coup, beaucoup de gens parlent en même temps, en live, c'est pas possible. Déjà, s'il y a trop de monde au même endroit, ça lag. En octobre, je vais te checker, vas-y, regarde, hein, mais... Capitaine Moldave. Attendez, faut que j'arrive à trouver les clés du cheval. Je sais plus où j'ai mis les clés de mon cheval. Elles sont pas là ? Elles sont pas là, les clés de mon cheval, tiens. Ah merde ! Ah, c'est l'autre poche. Mais en tout cas, ouais, les prochains gros vlogs, mais j'essaierai de les faire accompagner. C'est toujours plus sympa quand je suis avec quelqu'un, ça sera Dijon, préfecture de la Côte d'Or, chef-lieu de la Bourgogne, Franche-Comté. Après, en vrai, je pourrais presque aller jusqu'à Besançon, que je connais pas du tout.
ça serait pas mal aussi. Mais Dijon, j'aimerais faire deux vlogs un minimum, parce que c'est une ville où il y a énormément de choses à montrer. Beaucoup de lieux. En plus, je connais très bien, parce que j'y ai vécu très longtemps, une dizaine d'années. Ah là, j'ai les clés du cheval, c'est bon. C'est pas très grand, mais c'est beau. Oui, 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 je sais que c'est pas très grand, je suis déjà allé à Espelette. J'habite à côté, hein, j'habite à Pau. Ça peut être sympa. Effectivement, ça peut être sympa. Alors, attendez, on va mettre les clés du cheval dans la poche. Hop, les clés du cheval dans la poche. À côté des sesterces. On va éviter de rayer les sesterces. Voilà. On va retourner devant quand même. Ah putain. Dernière vision de la ville fortifiée de Carcassonne. Ça y est, je suis fatigué, ouais. On est arrivé par ici. Avec le petit coucher de soleil, là, sur Carcassonne. Très sympa, très joli. Bon, c'est très sympa, mais c'était déjà l'impression que j'avais eue en visitant Carcassonne il y a 3 ans la dernière fois. Et salut Totoni. C'est très joli, c'est pas très grand, ça se fait très vite. Si vous voulez faire le tour du château plus tous les remparts, comptez 2 heures pour faire le tour total de la ville au niveau des remparts. Comptez 13 euros par personne, il n'y a pas de tarif réduit. Mais par contre c'est le même syndrome qu'au Mont-Saint-Michel, quoi. C'est-à-dire que dans les rues principales, c'est pourri de boutiques avec des chinoiseries dans tous les sens. Donc ça c'est un peu dommage, mais bon, c'est... Comment tu vas Totoni? Bon, t'arrives à la fin, hein, Totoni, hein. J'étais en train de conclure mon ressenti sur la visite de Carcassonne, hein. En tout cas les amis, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié ces beaux décors. Parce que c'est une ville quand même chargée d'histoire, hein, qui va quand même du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'aux grands travaux de rénovation de 1850 par Viollet-le-Duc. Donc c'est une ville chargée d'histoire. Et je vous rappelle surtout qu'on se retrouve demain pour le prochain stream chez moi directement. Pour le coup, on fera du rétro gaming dans l'après-midi, et surtout demain soir à 20h, les amis, hein, le rendez-vous important de cette semaine, demain soir, le live dont vous êtes le héros, où on fait la lecture du livre de 1984 du Manoir de l'horreur, écrit par... comment il s'appelle? Putain, j'ai plus son prénom. Bref, un des deux fondateurs des livres dont vous êtes le héros, qui auront fondé plus tard Game Workshop. Voilà, le Manoir de l'horreur. Des vlogs toujours de qualité, merci Gabusome. Et du coup je vais voir ton message Gabusome, parce qu'effectivement on cherche un truc pour manger ce soir. Donc si tu me dis que c'est vraiment bien et que c'est 100% fait maison, écrit par Robert Hu, voilà, non, Steve Jackson, c'est Steve Jackson, ça y est, ça me revient, Steve Jackson les amis. Du coup, passez une bonne soirée, prenez soin de vous, cette rediff sera sur YouTube, elle sera disponible au plus tard demain, sinon dans le week-end. Rendez-vous demain 14h30 et 20h demain pour le live dont vous êtes le héros. C'est vous qui prendrez toutes les décisions dans le chat. Voilà, des bisous tout le monde. C'était le capitaine. C'était le capitaine dans la ville médiévale la plus grosse d'Europe, fortifiée, la plus grosse d'Europe, Carcassonne. Salut tout le monde et rendez-vous demain. Salut mon pote. Bah, je ferai une vidéo de mes couilles, c'est plus simple.